Et c'est parti pour l'édition 2016 du meeting international de Hong Kong. Les tribunes sont déjà archi combles, plus de 60 000 personnes. Et on va démarrer avec un monstre, le numéro 1, Island Reel, grand favori du Hong Kong Vase. Il défend son titre dans cette épreuve, cet Irlandais extraordinaire. 4 groupes 1, il a gagné les King George et la Breeders' Cup cette année. Et il est poursuivi par plusieurs Français. A commencer par le numéro 2, Silver Wave, ici en Kazakh Rose, gagnant de groupe 1 monté par Maxime Guyon. Il a remporté le Grand Prix de... Bonjour Maxime. Le Grand Prix de Saint-Cloud. Et il va tenter d'apporter une 11e victoire à la France parce que le Hong Kong Vase, c'est la course préférée des Français. D'autres Français, ils sont 3 au départ. Ils vont arriver derrière nous. Ici, il y a cet énorme Anglais Big Orange, suivi de Saturn O'Crown en Kazakh jaune, et le rouge, c'est Hélène Apistar, le cheval de Hong Kong. Alors les Hongkongais, les 2400 mètres, c'est pas vraiment leur sport, hein. C'est très très long pour eux, donc c'est pas leur championnat favori. Mais par contre, nous avons Garlingari, le cheval de Corinne Barr, monté par Stéphane Pasquier. Bonjour Stéphane, ça va? Merci, ça va, bonne chance, hein, fait au mieux. Et Christophe Soumillon qui est là, salut Christophe. Salut, ça va? Ouais, super. Christophe, l'habitué de Hong Kong, avec bien sûr, ici, il monte One Foot in Heaven. Christophe, il a déjà gagné beaucoup de courses à Hong Kong, et il a gagné la Hong Kong Cup d'ailleurs avec Pride, la mère de cette One Foot in Heaven. Further back to One Foot in Heaven, then came Flame Hero, Island Reel in full flight. There's only one danger, it's the Japanese charger, Satoto Brown. He's got 3 to make up, Island Reel kept going, Satoto Brown is lifting, Satoto Brown is cutting down Island Reel, and he'll take the bar. Japan conquer, Satoto Brown from Island Reel. Et c'est parti très fort pour le Japon avec ici ce Saturn O'Crown, le numéro 4, qui est parvenu à revenir taper sur le poteau Island Reel, qui pourtant semblait parti pour la gloire. Voilà le Japon, bravo Joao, bravo, congratulations. Le magicien brésilien, un type extraordinaire qui fait maintenant carrière à Hong Kong et qui a permis au Japon de remporter la première manche de Hong Kong International Meeting avec Saturn O'Crown, un fils de Marju. One Foot in Heaven, super, un troisième super. Ouais, top, battu par meilleur. Beaucoup de bousculades dans le parcours, mais bon, après, on a eu une ligne droite claire. Mais bon, les deux premiers, ils avaient une classe au-dessus des nôtres. Merci, Christophe. Corinne, Garlingari, alors cette première expérience à Hong Kong, qu'est-ce que vous en tirez? C'était comme une première expérience. Bon, il faut voir aussi qu'il rentrait, hein, il n'a pas couru depuis longtemps. Il a été un petit peu... Enfin, c'est parti très vite et il s'est retrouvé assez enveloppé. Stéphane m'a dit, j'ai un peu subi la course, mais il faut reconnaître qu'à la fin, bon, quand il le déboîte, 2004 ici... C'est, à ce train-là, c'est un vrai 2004. Et là, il a manqué un peu de tenue et probablement un petit peu de compétition. Mais vous l'avez vu, il est là, il dit « Mais je vais y retourner, ça y est, j'ai compris !» Ça ne s'est pas passé, soyons clairs, comme vous le souhaitiez. Non, mais bon, le cheval a peut-être une année un peu difficile. Il a que 4 ans, il a couru beaucoup, il a couru tous les groupes 1. Je pense qu'il a eu une course beaucoup plus dure que je croyais dans le Trifoire quand il a gagné. Donc il a mal couru dans l'arc et aujourd'hui aussi, il court mal. Je pense qu'il a juste besoin de repos. Il a commencé tôt parce qu'il en a fait d'Harcourt, Ganay, Ispahan, Grand Prix Saint-Cloud, il a fait toutes les bonnes courses. Le cheval était peut-être un peu trop émoussé pour courir en fin d'année. Donc ça signifie pour lui, il a des grandes vacances là. Normalement, grandes vacances jusqu'au printemps, oui.